Faut qu'il bouge, pas t'imagines. Pardon, lâche. Prends pas que t'as animé pour cette session. Je fais des missions. Il va un peu ramener. Pour cette nouvelle caméra cachée, direction la piscine à vagues artificielle d'Alaya Bay en Suisse pour une session de surf entre les montagnes. Dans le rôle du faux débutant, on a recruté Sam Peter, l'un des meilleurs Français dans sa catégorie. Moi, c'est Sam Peter, j'ai 20 ans, je suis originaire d'Hossegor dans les Landes, surfeur professionnel, champion d'Europe junior, champion de France aussi. Je vais essayer de me faire passer pour quelqu'un qui sait absolument pas surfer. Du coup, de rater les vagues, de tomber, de faire un peu n'importe quoi. Quant à la victime principale de ce prank, c'est la wave guy, Amina, choisie à la dernière minute par Clarisse, notre complice sur place. La personne qu'on va piéger aujourd'hui, c'est Amina, une wave guide qui est en tant que season nav aussi. Amina est très chill, todo chilo, comme elle dit tout le temps. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Amina est de mauvaise humeur ce matin, donc ça va être bien marrant, je pense. Côté réalisation, notre équipe de tournage est composée de plusieurs cadreurs cachés dans la zone de restauration du complexe, ainsi que de Chris, notre journaliste, qui se fait passer pour le pote de Sam, venu filmer sa session avec sa GoPro. Tout le monde est prêt? C'est l'heure pour notre piégeur d'entrée en scène. On est déjà en retard. On est déjà en retard. Bonjour. Salut. Une heure pour une combien de planches tu dis? Yes, ça en retard. En stress. À la prochaine session, il faut du volume un peu là. Ah ouais? Soit les planches en mousse, soit les celles qui sont. En mousse? En mousse? Ce qui est bien avec celles qui sont en mousse, c'est que si tu les tapes dans le mur, elles ne vont pas se casser. Celles-là, il faut payer la réparation. Et c'est où que je peux me changer? Quand elle est dans le vestiaire et tout. À peine sorti des vestiaires, notre piégeur rencontre sa cible pour la première fois. Le stress monte. On ne sait pas si Amina va reconnaître Sam malgré sa fausse identité. Bon, c'est pas déjà que. Chris. Chris. Mais la Reza, elle est au nom de Benjamin, normalement. Ouais, non. Mais la première, c'est à ton nom, et la deuxième, c'est moi qui le fais, c'est à mon nom. Ouais, c'est lui. Ouf, c'est passé. Le prank va pouvoir commencer. Cette vague, elle est assez molle, quand même. Donc, si tu galères à la rame, tu peux n'aider pas à changer. Il y a aussi des plantes. Il y a aussi des plantes en haut. C'est où, je sais pas. J'étais pas là au tout début, c'est... Ah ouais, on n'a pas eu le bracing. Alors, à l'entrée à l'eau, ça va être de tous côtés. Il est là, il y a quelques minutes avant au rocher et d'un coup, ça va aller. Moi, je vais le filmer. Okay, je vais te suivre un peu, peut-être, je sais pas. Je vais mettre un peu autour du mur, c'est pas mal là, genre plus vers l'avant. J'ai pas demandé ton prénom. Amina. Ah, Amina, ok. Et toi, c'est. Moi, c'est Benjamin. Benjamin. Tu fais un vlog ou. Non, mais en fait, je filme mon pote. Cette session, c'est un peu, tu vois, une camionnette, elle est assez. La base, en fait, elle est assez puissante quand même. Ouais. Donc, souvent, il y a beaucoup de gens qui au final galèrent. On va voir, et toi, c'est fou. Ah, ça y est, il est à l'eau. Ah, pardon, ouais. Un petit peu parce que... Désolé. En fait, il y a de l'angle, du coup, j'ai envie d'en profiter. Notre piégeur s'apprête à intégrer la session intermédiaire cruiser, réservée aux surfeurs avancés. Sam ne devrait avoir aucun mal à se faire remarquer auprès d'Amina dès sa première vague. Allez, fais bien, avance-toi tout un peu, on s'avance pas tout à l'heure. T'as Ouais. Ça va? Mais écoute, si tu veux, il y a une question de cruiser après, c'est le niveau en dessous. Ah ouais? Parce que là, ça dépend, si tu veux t'amuser, si tu galères, tu t'attends, mais si tu veux rester, il n'y a pas de pique. Après, je peux essayer une vague quand même. Ok, bah, laissez là, parce que normalement, ouais, tu peux essayer une vague. Il faut juste que tu prennes les chiens avant 20 parce que après la section, elle est validée, toi qui arrives pas à essayer. Allez, regarde à gauche, regarde à gauche, et t'accélère. Wow! Il a failli se noyer! Ah bon? Merde! Non, ouais, ça va, mais. Il est vraiment à l'arrière de ça. Ah, il est là. Il est là. Il bouge là, par contre. Parce que, hein? Quand tu bouges, pas tu vas gêner. Arrive, ah, regarde. Après plusieurs chutes, Sam enfonce un peu plus le clou et prétexte s'être cogné la tête au mur. C'est vraiment pas grave, Mina. Est-ce qu'il sort le mec en haut? J'ai réussi d'aller tout le temps. Du coup, il dit de sortir, tu vas là-bas et tu vas changer pour après. Ah, il faut changer? Ouais. Carnage. Carnage? Quoi de mon choisir? Ah ouais!
Ça, il peut réessayer ou un petit, une petite. Il est avec un homme. Ah, c'est elle qui a dit. C'est la session random. Oui, c'est ça, c'est la 3-4 minutes. Ah ouais. C'est pas... Non, tu lui dis non, il a pas de mérite, il est dangereux. J'arrive. Quoi que tout ça. Ouais. Ouais, ouais, tu n'as pas le niveau, c'est l'un des gauches. C'est elle qui l'a dit? Ouais. Faut que tu fasses après. Tu vas aller là-bas et tu vas enchanter. Moi, je prends pas ta niveau pour cette session. Ouais, bah, il sort, hein. Mission accomplie pour Sam, qui se fait virer de la session. Ah, c'est chaud, là. Ce qu'on a prévu, c'est d'aller dans une session expert juste après. Ils vont pas vraiment être contents de me revoir. Je vais essayer de quand même forcer pour repartir à l'eau. Essayer de reprendre une vague un peu débutant avant de faire le reveal. Stressé de ouf là. Comme prévu, le retour de Sam ne plaît pas du tout à la waveguide. Non, non, on mangeait. Je t'ai dit d'aller à la cruiser. Mais en fait, on la est allé voir. On est allé voir du coup, comme tu m'as dit, à la réception. Oui. Et comme il avait sa session lui, il a dit qu'il allait passer sa session en fait. C'est ça qu'on a fait. Je l'ai donné, mais je pense pas que la niveau 3 dans l'exemple. Cette vague, elle est pas pour tout pour haut, c'est une des plus grosses vagues de la piscine. Franchement, c'est pas bon pour toi, mais moi je veux que tu t'amuses et que tu profites de la session, puis vous payez. C'est bon, on va voir ce qu'il y a. Après, il y a une leçon, mais c'est genre le leçon, c'est vraiment une petite vague. Et il n'y a pas moyen de demander à, je sais pas, un responsable. En vrai, on vient ouais, de Narbonne et tout. Parce que peut-être vous allez me faire rembourser en fait. Ouais, vas-y. Aimerie pour la Noma. C'est, je suis désolée, hein, c'est pas contre toi, mais est-ce que les secours, là, ça se peut. En faisant appel à Aymeric, son responsable, Amina pense pouvoir régler la situation. Ce qu'elle ignore, c'est qu'il est lui aussi dans la confidence. Du coup, tu veux vraiment essayer alors? Je suis chaud, mais ouais. Bon, après, ouais, je ne savais pas trop. Je vous conseille parce que si tu n'arrivais pas à faire un zéco pour Internet Twitter. Il y a combien d'interns? Bah, au pire. Tu peux essayer après. Au pire, les sommets derniers. Ouais. On voit ce que ça donne. Et il aura pris ses belles vagues et, dans la figure et ils ont... Au wipe-out, comme t'as dit. Bon, coup, bah, tu te noies pas comme ce matin. Voilà, et si jamais, par contre, si jamais elle te dit stop, ça ouais, va tu pas. Ouais, tu me dis... Il n'y a pas de négociation, quoi. Ouais. Dégoûté de retrouver notre piégeur en expert turn, session la plus engagée d'Alaya B, Amina se confie à Clarisse. Ça va mieux, là? Bah non, parce que... genre, si tu sors quelqu'un en intermediate cruiser, voilà. C'est pas pour le laisser aller en expert turn. Ok, juste mets-toi vers la machine, comme ça tu les laisses passer. Allez, faut que t'accélères là. Wow. Ça fait pas de ramer, faut que tu rames. Un fond, un fond, un fond, un fond. Ouais. Faut que tu sois plus rapide que la vague en fait. Donc si tu rames pas assez, la vague elle va t'attraper et tu vas pas réussir à partir. Allez, rame un fond, un fond, un fond. T'arrêtes pas de ramer, t'arrêtes pas. Faut que tu rames beaucoup plus. Là, vraiment, tu ramènes pas assez. Et que tu commences à ramener tout haut et qu'ils n'arrêtent pas. Okay. Tu peux se replacer rapidement parce que là, le prochain fait. On prend la première, gros. Non, non, on prend pas la première. Pas la première. Bah, c'est qu'il va gêner tout le monde. Donc, les autres gens ici, ils sont là pour ça. Ah ouais. Non, non, non. Je fais des missions. Amina est à bout de nerfs. C'est le moment parfait pour que Sam dévoile la supercherie. Il a fait exprès depuis le début ou... De quoi? De pas réussir à prendre de vague. C'est une caméra cachée en fait. Ouais. Tu m'as écouté à vous là. Tu les vois là-bas, ils font coucou? Non. T'as eu une journée tellement difficile en plus! T'inquiète! Bah, en plus, je me dis, c'est pas possible là, il doit. Aymeric, là, je mérite une promotion. Ok, tu veux que je te présente vite fait Sam? Est-ce que tu connais? Quelque chose, oui.
Sa tête me disait trop quelque chose depuis le début. Mais t'es qu'à f*** là quand même. Reprends des vagues, reprends des vagues. Sa tête me disait trop quelque chose, mais j'ai vu son nom sur le planning, je lui ai dit ah non, première fois à Laïa, nom inconnu. Sur la première vague, bah, c'était une vague intermédiaire, donc rien de choquant, ils galèrent tous généralement. Donc ça m'a pas choqué plus que ça, mais sauf que quand j'ai vu qu'il était en experteur, je me suis quand même, il va prendre cher. Le prank, ouais, je l'ai pas super bien vécu. Mais bon, c'est marrant. Après coup, c'est marrant. Au début, bon, je vous déteste un peu quand même. Merci et au revoir, Riding Zone. Ne revenez plus. Elle a vraiment pris sur elle, je pense, parce que j'ai vraiment fait des trucs pas top et vraiment dangereux. Donc, elle devait vraiment prendre sur elle. Je voyais qu'elle restait calme, tout ça. Mais au fond d'elle, c'était sûr qu'elle voyait que c'était dangereux et elle voulait m'engueuler. Merci à tous. J'ai vraiment kiffé surfer dans une piscine entre les montagnes. C'est pas tous les jours. Donc, merci à tous. Merci Riding Zone et à la prochaine.